Petit retour sur le stage à Vendôme, notre stage de pré-saison où nous avions amené 46 joueurs. Un stage énormément basé sur le rugby. Tout le travail physique essentiellement avait été fait en amont lors des reprises faites directement au stade toulousain. C'est aussi bien sûr se focaliser sur les premiers matchs amicaux contre Perpignan et contre Pau qui vont arriver très rapidement. L'avantage d'avoir fait ce stage de pré-saison en Andorre, c'est aussi d'avoir utilisé des installations d'une très grande qualité, d'avoir pu bénéficier d'un climat plutôt agréable, quand on sait aussi la semaine que les Toulousains ont passé avec une extrême chaleur, on a pu avoir un petit peu de fraîcheur, et puis surtout, au-delà des installations de terrain, on a pu aussi bénéficier de tout ce qui est récupération et travail musculaire au niveau du complexe de Caldea. Bien entendu, dans un stage de pré-saison, on essaye de souder un petit peu l'équipe, on ne fait pas que du rugby. Donc il y a eu quelques activités, on a pensé aussi à faire raisonnablement la troisième mi-temps, parce que c'est là aussi où on forge un petit peu le caractère de nos leaders et que les gens apprennent à se connaître.